Salut soyons. Ouais, c'est Captain Fleur, c'est plus connu sous le nom de champion MMCL. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, une vidéo spéciale. Aujourd'hui nous sommes le 6, alors que je tourne cette vidéo, on est aussi le 6. Désolé de mon retard, désolé qu'il n'y ait pas eu d'autres vidéos depuis. La raison pour laquelle j'ai pas fait de vidéo, c'est dû à un manque de temps. Tout simplement, je vais vous expliquer plus en détail un peu plus tard ou dans la vidéo, mais en gros c'est un manque de temps. Pour commencer, je tiens à m'excuser pour la vidéo déballage dont j'ai fait quelques erreurs. Pour que la Corsair One, effectivement j'étais en erreur, quelqu'un qui m'a envoyé un commentaire qui me énumérait les erreurs. La Corsair One, elle n'a pas de port USB, mais il s'est dit deux ports USB. J'ai probablement confondu avec ce qui était marqué de ce qui était vu, qu'on pouvait voir. Désolé pour cette erreur. Il y a trois ports USB 2.0 et trois ports USB 3.0 avec un port PS2 pour pour le clavier ou une souris qui a du PS2 bien évidemment, et un port USB-C. Puis encore là, je ne suis pas sûr, ça se pourrait qu'il y ait deux ports coaxial, mais là je suis pas sûr. Pour qu'est-ce qui est de la compatibilité, sachez que c'est pas moi qui ai monté l'ordinateur, mais s'il y aurait pas quelque chose de compatible, ça ne fonctionnerait pas, ou du moins il y aurait pas mal de fond d'écran bleu, donc ce n'est pas le cas. Mon ordinateur, c'est une de 2600K pour overclockable, qui est une i7 de deuxième génération avec une fréquence de 3.4 GHz. Sachez que tout ce qui est matériel, tout ça, je n'ai pas fait d'erreur. C'est la comparaison que j'ai faite qui était pas bon, mais loin de là. Ensuite, 16 gigs de RAM Corsair. Oui, 16 gigs de RAM Corsair. Pour un processeur de deuxième génération, c'est bon. C'est pas neuf, c'est usagé, mais c'est déjà un peu mieux que mon ordinateur portable. Ça, je peux vous le garantir, c'est capable de rouler plus, mieux avec cet ordinateur là que mon ordinateur portable. Bon, vous voyez pas, mais il est là, que dont je vais regarder tout à l'heure. C'est à peu près ça. Mais pour qu'est-ce qu'il y a la RAM, ma carte mère, c'est une Asus. Puis juste pour vous dire, il peut pas avoir plus que la deuxième génération, même si je peux avoir du i3, du i5 ou du i7, peu importe lequel des trois, mais avec la deuxième génération uniquement. À moins que je me trompe, mais ce que j'ai vu, c'est que je peux pas aller plus haut que deuxième génération. Mais je pense que c'est juste deuxième génération tout court. Ce qui est quand même bon, parce que je suis capable de faire rouler des choses que mieux avec mon ordinateur portable qui est plus récent. Parce que oui, la carte mère est date de 2012-2013, quelque chose de même. Je suis très conscient. Donc, la carte graphique GTX Titan. J'ai rien dit d'autre. J'ai bien dit la carte graphique GTX Titan. Ça, ce n'est pas une erreur. Loin de là. Ça, c'était exactement le nom de la Titan. C'est pas Black, c'est pas X, c'est pas V, ni XP. XP et V, c'est impossible parce que c'est très récent. Mais par contre, l'erreur que j'ai faite, c'est avec justement la plus grosse erreur, c'est avec la carte graphique. Je suis sincèrement désolé, ce n'est pas au-dessus de la série 1000. La série 1000, c'est la Titan X, si je ne me trompe pas. Cette carte graphique a été faite en 2013, durant les mêmes années que la série 700. Ce qui veut dire, on peut comparer ça, que c'est la série
au-dessus de la série 700, qui est une équivalence de la 960 ou 76. Ce que j'ai demandé à la personne qui me l'a donné. Bah, une des deux qui le... C'est la personne qui m'a donné, mais ils sont deux qui l'ont monté. Celui qui me l'a apporté, je l'ai écrit, puis il m'a répondu que c'était une équivalence de 960 et ou 970, il est pas sûr. TI ou non TI, c'est pas. Mais quand même, c'est un bon ordinateur, une bonne carte graphique, avec y a pas 1 ou 2 gigs de mémoire vidéo. Si je me trompe pas, t'en as 6 gigs de mémoire vidéo. C'est pas rien là. C'est peut-être même assez plus haut que ma carte graphique de sur mon ordinateur portable. Moi c'est drôle, je suis entre le requis puis le recommandé. Ouais, je suis pas mal entre. Par conceptif pour la carte vidéo, je suis pas mal requis. Et non recommandé, loin de là. Mais c'est ça pour l'ordinateur. Je suis sincèrement désolé d'avoir fait une erreur avec la carte graphique. J'étais emballé d'une certaine façon que je disais, oh ouais, une Titan, mais j'ai pas vérifié la génération. Si vous voulez savoir, Titan est de la première génération de la série Titan. Après ça, c'est la Titan Black. Là où autrement dit Titan Noir. Puis t'as d'autres titans dont je m'en souviens plus de tous les noms. Il y a la Titan X. Et en ce moment, il y a la Titan XP et la Titan V. La Titan XP vaut 1 200$. Et la Titan V vaut 3 000$. Ma Titan vaut 400$. Mais à l'achat, elle valait 1 200$. Alors, j'ai pas fait d'erreur pour ça, mais c'était pas la bonne la valeur actuelle. La valeur actuelle, c'est 400$. Si j'ai fait une erreur là-dessus, je m'en excuse. Je me corrige en ce moment. Et c'est à peu près ça pour qu'est-ce qui est de l'ordinateur. Mais revenons avec le 6 octobre. Aujourd'hui, nous sommes le 6 octobre. Qu'est-ce qu'il y a de particulier? Pourquoi faire une vidéo spéciale pour le 6 octobre en particulier? Je vous dis, c'est pas une vidéo extraordinaire. Hein. Quand je vous ai annoncé un peu, pas parce que je veux avoir des vues, parce que ça fait 4 ans que la chaîne qu'elle existe. Ça fait 4 ans que ma première vidéo de Clash of Clans a été sortie. 4 ans. Le 6 octobre 2014. Alors, faut me fêter ça. Puis pour fêter ça, il y a beaucoup de changements. Mais des changements que j'ai un thème, comme que je vous ai dit au travers de quelques vidéos, qui est de la marine, parce que ça, la marine, ça me représente bien. Mais, suite à ceci, ok, je vous annonce tout de suite, j'ai modifié tout ce qui est rôle, grade Discord ont changé. Ceux qui sont sur Discord, vous l'avez sûrement remarqué, mais ceux qui ne le sont pas, je vous le dis tout de suite. Mais par contre, vous ne savez pas tout sur Discord, parce que il y a 3 grades possibles à avoir par n'importe qui. Mais par contre, il y a d'autres grades aussi, mais ça c'est plus administratif et autres. Et juste avant de passer sur les titres et tout le kit, sachez que ma bannière a changé. Bon, j'ai changé aujourd'hui même. Bon, c'est prévu que ce soit aujourd'hui même. Je vais faire plus bonheur, sortir plus bonheur à la vidéo. Mais j'ai eu un manque de temps, comme que j'ai dit. Ouais. Malheureusement, c'est des choses qui arrivent, avoir des manques de temps. Mais je vais vous expliquer plus ça en détail parce que vous allez comprendre pourquoi que je vais l'expliquer plus tard. Mais allons avec les titres. Bon, voilà les... Bon, vous voyez pas bien, mais c'est pas grave. Mais de toute façon, je vais vous le dire.
Ici, il y a toutes les grades, moi, ce que je peux contrôler ça, bien évidemment. Vous avez... Ok, celle-là, je vais dire tout ça, c'est une blague d'un administrateur, mais je pense qu'il va y rester. On va le laisser là pour l'instant, pour le fun, mais je pense qu'on va le laisser peut-être. Des esclaves! Oui, il y a un esclave. Et les esclaves, qu'est-ce que vous... C'est pas vous, quoi que ce soit. Les esclaves, c'est les robots. ouais. Exemple, Mrs. Et c'est un esclave. C'est une miserie d'un administrateur. Ensuite, on a changé muet pour couper la parole, exemple, au monde, parce qu'il respecte pas certains règlements. Et... il va être mis au fer. Sachez que je me suis beaucoup inspiré de Safety là-dessus. Puis les grades, je peux vous dire, ne m'achetez pas que c'est pas les bons grades, ok? J'ai été avec ma version. Ça, c'est ma version à peu près. Et pourquoi que c'est pas les bons grades? Parce que moi, j'ai connu par cœur en passant les grades de la marine. Puis ça, je sais que c'est pas... Oui, j'en ai utilisé quelques-uns, mais c'est pas principal. J'ai pas utilisé vraiment... J'ai plus utilisé les grades de Sifteve. Les titres de Sifteve. Je sais, je connais les grades. De la marine par cœur. C'est simple. Puis même eux autres, leur grade le plus haut sur Sifteve, il est pas très haut dans la réalité. Un maître collectionneur d'or ou un maître tout court, disons t'es même pas officier, disons le t'es juste staff, c'est tout. Maintenant vous les abonnés, faut que je vous dise le thème. Bon, le thème c'est la marine, mais qu'est-ce que c'est les abonnés? Vous êtes qui? Vous êtes des moussaillons. Puis sachez aussi que je vais peut-être faire plus de live Twitch vu que j'ai cet ordinateur là. Donc Twitch Safety que je vais commencer. Il n'y aura pas des tonnes, je vous dis tout de suite. Sachez que vous êtes tous des moussaillons. Puis les moussaillons, eux autres, c'est vous êtes les abonnés. Dans le fond, les abonnés, c'est des moussaillons. Pour qu'est-ce qui est de la chaîne YouTube? Vous êtes sur mon navire de lys. Ouais. Capitaine Fleur de Lys, c'est mon nom. Je suis le capitaine du navire de lys. Puis vous êtes l'équipage du navire de lys. Au lieu de dire, comme vous avez pu remarquer, les débuts puis de fin ont changé. C'est le moussaillon, parce que vous êtes des moussaillons. Puis la fin, je dis, n'hésitez pas à vous abonner, je dis, n'hésitez pas à rejoindre mon équipage sur le navire de lys. Ouais, maintenant ça va être ceci comme pour dire, abonnez-vous, mais d'une autre façon. Est-ce que c'est un peu inspiré de Steelers? Peut-être, un peu, mais pas vraiment, parce que lui c'est un écurie. Sa chaîne est une écurie, puis on est des chevals. Je dis bien cheval, pas cheval, cheval, parce que c'est québécois. Et ça, c'est le thème de sa chaîne, c'est ça. Steel Horse, cheval de fer. Et moi, mon thème, c'est... Bon, c'est le nom, je changera pas, je vous dis tout de suite. On va rester champion MSL parce que j'ai décidé, il y a 4 ans, que ça soit champion MSL, puis ça va y rester. Qu'est-ce que vous voulez? Je suis pas bien avec. Puis ça ne tente pas de tout changer parce que les courriels, ça ne tente pas de changer. Ça ne tente pas de changer quoi que ce soit. On va rester champion MCL. Ça va rester le nom de la chaîne pour tout le temps. Ça, j'ai bien connu. Plus connu ce champion MCL. C'est pour ça que je dis ça aussi. Parce que ça reste champion MCL. Mon nom. C'est juste que je suis un capitaine fleur de l'Est. C'est juste ça. Honnêtement, la chaîne va fonctionner comme ceci, comme que je vous ai expliqué. Vous êtes des moussaillons sur dans mon équipage du navire de lys. Et j'ai même trouvé le nom du criquet. J'ai oublié de le mettre. Si vous entendez pas le criquet, c'est parce que je l'oublie, puis depuis quelques temps, ça me tente pas de l'instaurer l'audio. Ouais, un peu de paresse, j'avoue. Qu'est-ce que vous voulez? Mais
Lys le criquet est son nom. Ouais. Lys le criquet, un peu similaire à Captain Fleur de Lys, Navire de Lys, un peu même style, mais c'est Lys le criquet. Voici son nom officiel au criquet de la chaîne. Et Gollum, ça reste Gollum. Oh oui, la Gollum, c'est bon, non? C'est mon nom, qu'est-ce que vous faites? Attends. Ensuite, comme que je vous ai dit, sur Discord, vous avez la possibilité de 3 grades. Moussaillon à la base, mais vous avez la possibilité de monter de 2 grades. Mais encore là, je vous dis tout de suite, c'est pas... La façon que, pour procéder de monter de grade est encore à déterminer. C'est pas encore officiel. Jusqu'à date, on a juste parlé pour ça, mais on n'a pas pensé à parler pour les... Qu'est-ce qu'il faut pour qu'ils montent de grade? Est-ce que c'est un niveau? Parce que oui, sur mon Discord, il y a des niveaux. Est-ce que ça prend des niveaux ou autre chose? Ça va être à déterminer en temps et lieu. Quand vous montez grade, vous montez loup de mer et, pour finir, maître. Oui. Maître... c'est pas le grade le plus haut. Ben, pour vous, oui. Je ne tente pas nécessairement de dire premier maître. Non. On détache de l'armée. Ouais. On se détache. Oui, c'est le grade de la marine, premier maître. Quand c'est terre, c'est adjudant. Puis air, c'est adjudant chef. Puis, je m'en souviens plus de l'autre. Mais c'est ça. Ok, si vous me croyez pas que je connais les grades par cœur, j'ai encore un peu de misère avec les grades autres que Air-Terre, mais qui sont quand même très similaires. C'est juste la marine qui change complètement. Quand le grade officier de Air-Terre, c'est pas mal la même affaire. Juste la marine qui change. Ensuite, YouTubeur. C'est ceux qui ont YouTubeur, juste pour vous dire, c'est... C'est pas... bon. Soit que c'est ça à cause que je connais la personne que j'ai déjà rencontré, comme il y en a que ou, dans le serveur qui sont youtubeurs, deux. Mais bon, un en particulier. L'autre, je le compte pas comme youtubeur parce que c'est une autre histoire. Mais le youtubeur, du moins la youtubeuse, elle, c'est parce que je l'ai rencontré en personne. Mais ça, c'est une autre histoire aussi. Mais sinon, si vous voulez être youtubeur, ça va être encore à déterminer, mais il va falloir un nombre d'abonnés en tant que tel. Ou que je connais, que j'ai déjà rencontré, qui peut être... Oh, ouais, c'est vrai, il y a d'autres youtubeurs aussi que j'ai rencontré, comme Tuxani, Tarvo, qui sont serveurs, ouais. Puis qui sont youtubeurs. Somme, il y en a d'autres. Mais vous comprenez, si j'ai rencontré, ok, ils vont pouvoir passer plus facilement à YouTube. Sinon, peut-être avoir 10 000 abonnés, peut-être le nombre requis pour être affiché comme YouTuber, peut-être 10 000 abonnés. Mais encore là, c'est encore déterminé, mais c'est probablement, ça va probablement être ça, mais c'est encore déterminé. Sinon, après ça, il y a permission spéciale, ça c'est moi qui donne ça. À la base, puis c'est pas mal du monde que je connais. Ou autre, il y en a un, c'est une autre histoire. Mais ça, c'est pas mal du monde que je connais pour vous dans la vraie vie. Collaborateurs. Les collaborateurs, qu'est-ce que c'est? C'est ceux qui m'aident sur la chaîne en tant que tel. Je ne parle pas du serveur, mais sur la chaîne. Collaborateur, ils ont monteur vidéo, donc ça fait un petit bout que je les ai pas communiqués. Pour ceux que les deux monteurs vidéo que vous m'avez demandé, juste me recommuniquer. Ensuite, vous avez quartier maître. Quartier maître, ça va être aider sur le serveur, sans avoir de fonction en tant que telle. Sans votre fonction en tant que exemple, un animateur,
Si vous êtes intéressé, il va y avoir une sélection. Bah, quand ça va rentrer, mais là, c'est pas moi qui va choisir l'animateur, ça va être un administrateur qui va choisir je couperai pas de ça au montage, je m'en fous. Désolé, je suis fatigué aussi, vous allez comprendre pourquoi. C'est mon manque de temps. Vous allez comprendre pourquoi. Mais l'animateur, c'est pas moi qui va choisir, ça va être un administrateur en particulier qui va choisir c'est qui va être le meilleur pour mettre un peu de vie dans ce serveur. Parce que oui, il y a eu des mises à jour, tout ça. Puis il va y en avoir encore des mises à jour sur le serveur. Sachez que vous pouvez être au courant de les vidéos là, je mets toutes les vidéos de autant sur la chaîne principale que sur la chaîne secondaire. La chaîne secondaire, il y en a une fois ou un ou deux mois là. C'est juste cet été, j'étais plus productif. Mais il va y avoir une autre vidéo, inquiétez-vous pas. Ensuite, vous avez Officier, qui est un modérateur. Officier, titre purement sélectif que j'ai pogné parce qu'un officier, c'est un officier. À partir de instructeur civil en montant. Après ça, tu as le lieutenant qui est administrateur. Vous avez commandant qui est un chef modérateur, amiral, chef administrateur et capitaine Fleur de l'esquive champion même celle qui est moi. On s'entend. Lieutenant, c'est un exemple lieutenant de vaisseau. Ou un lieutenant pour l'armée, je pense, si je ne me trompe pas. Amiral. Si je me trompe pas, c'est le grade le plus haut qu'on peut avoir dans l'armée. C'est le grade le plus haut. Alors, on s'entend que c'est des titres qui existent pour de vrai. C'est vrai que je pourrais mettre capitaine, mais capitaine encore là, pourquoi j'ai pas mis capitaine? Parce que c'est moi le capitaine. Ça se dit bien capitaine Fleur de Lys, et je suis capitaine. Je suis le capitaine du navire de Lys, qui est la chaîne le champion même ciel. En gros, c'est ça. Maintenant, passons au... comme je vous ai dit aussi, le logo ne changera pas. C'est juste la bannière qui va changer. J'ai pris... j'ai fait un sondage en parlant de ça. J'ai fait un sondage, il y avait 3 galions que j'ai pris en photo. Puis avant la mise à jour Forsaken qui est actuellement présent. Et c'est le deuxième galion qui a été choisi, qui était le plus populaire. Moi honnêtement j'aurais pris le premier. Au début j'ai le troisième, mais le premier j'aurais peut-être pris plus. Mais c'est vous qui l'avez choisi, c'est vous. Puis voici ce que ça a de l'air. Mais je sais que c'est pas qu'est-ce qui est le meilleur. Admettons si quelqu'un il serait intéressé à. Donc, moi qu'est-ce que je voulais faire, c'est mettre mon logo. Et avec un fondu vers la couleur de Save avec champion même celle qui est correct. Qui est à bonne place. Mais champion même celle en or. Comme un peu avec mon logo. Même avant ça, j'avais pensé, avant d'avoir le thème, j'avais pensé de faire comme comme sur bien des chaînes, puis reprendre le bleu puis l'étaler sur tout le long, le bleu de le logo, puis faire champion même celle la même façon de du M commercial puis des 4 fleurs de lys. Je voulais faire ça de même, mais encore là, moi je suis pas graphiste, moi je fais juste me débrouiller et c'est ça que ça donne. Bon, maintenant j'ai aussi cet été, je l'ai répété quelques fois, je vous ai demandé de me donner des questions, donc je vous répondrai maintenant. Ouais, il y a à peine une seule question quasiment. Ah, ça c'est une autre histoire. 3 questions.
La première question, je vous dis, c'est... Je suis pas capable de répondre. Je vous le dis tout de suite, je suis pas capable de répondre. Mais je vais aller avec l'autre question. Kira, quand tu joues à Minecraft, tu peux faire F11. Ça le met en grand écran. Entre parenthèses, plein écran. J'ai déjà répondu à cette question, mais je vais répondre à nouveau à cette question, mais en mieux. Car, bien sûr, mon écran vient de se mettre en mode veille pendant que je lis. Ça paraît que je l'utilise encore, je vous dis tout de suite, je l'utilise encore, mais beaucoup moins que avant. Ben, car quand j'ai répondu, je ne me souvenais pas de la raison exacte. Mais je me souviens de la raison désolé, j'ai sauté une ligne complètement. Mais je me souviens de la raison quelques jours plus tard avec la série Ni no Kuni 2 et avec la raison exacte à laquelle je ne mets pas Minecraft en plein écran, mais bien fenêtré. Et ça sera lié au pied dyslexique. Lexique, lecture. Parce que c'est sur mon ordinateur. C'est pas orthographique dans ce cas-ci. Malgré que je fais des photos d'orthographe, je m'en excuse toujours. J'ai toujours pas antidote. Mais éventuellement, je risque de l'acheter en manne. Je vais me décider. Ensuite, c'est quand je vais me décider. Vous allez comprendre pourquoi. Encore. Si une question, vous allez comprendre la prochaine question. La raison à laquelle que je mettais Minecraft fenêtré encore, c'est mon ordinateur portable que j'utilisais. Et OBS, vu que c'est un logiciel qui prend beaucoup de ressources, qui compile en temps réel, mon ordinateur et Minecraft, non, pas bon. Sinon ça reste saccadé comme ça, se peut pas comme la première vidéo de safety. Ça, j'ai utilisé OBS et je pense que je l'ai regretté, mais j'avais complètement oublié pourquoi je ne mettais pas la question. C'était un peu avant, j'étais en train de filmer Ni no Kuni avec OBS et je comprenais pas pourquoi, comment que j'avais fait, j'ai failli d'annuler ça pour un méchant bot là. Je n'ai même pas durant l'été, puis là ça m'a fucké un peu mon affaire, j'avoue. Et ça a failli là, je vous jure. Puis j'ai repensé, après cette question là, il y a eu cette question, puis j'ai me souvenu de la raison exacte. Pourquoi en partant, je ne faisais pas plein écran. Quand j'ai commencé à utiliser enfin un ordinateur pour faire mes vidéos et tout, OBS, comme je vous ai dit, je pense que je connaissais même pas encore OBS à ce moment-là. Puis quand j'ai connu OBS, j'ai fait des tests, puis c'est au bout de ça, je n'utilisais pas ça. Camtasia Studio 8, dans ce temps-là, que... C'est dans le temps que j'utilisais Camtasia Studio 8. Et vu que j'utilisais Camtasia Studio 8, j'avais le malheur de mettre en plein écran au bout de ça, écran noir, que long. Mais la seule façon que j'avais réussi, c'était en mettant fenêtré. C'était la seule et unique façon. Parce que ça fait une capture d'écran fenêtré. Et non plein écran. Et à laquelle aussi, pourquoi que j'ai pas mis safety en plein écran, c'est je pense avec la même raison. Si je me ne trompe pas, parce qu'on me l'a mentionné. Pourquoi avoir aussi l'écran là, oui c'est 60Hz, mais j'ai pas payé cher parce que j'avais une carte cadeau de 150$ de chez Walmart. J'ai acheté chez Walmart, c'est mieux que même que la sœur que j'avais acheté au début, puis après ça, je me suis dit, ouais. Aussi bien d'investir un tout petit peu plus pour c'est vrai que j'avais pas acheté au même Walmart. Mon premier écran j'avais acheté à la Chine, puis celui-là j'ai acheté proche de chez moi, je ne vous le dis pas où.
Mais c'est ça, j'ai acheté l'écran là, en plus on aurait dû y aller près de chez nous. J'aurais dû y aller près de chez moi plus tôt. Je savais pas, je pensais que c'était plus avantageux. Le SNEM, finalement, c'était pas avantageux. Il y avait un Acer, puis la sœur, blague d'informaticien, je vous le dis tout de suite, elle sert à rien. Ok, elle sert à rien. Ça me tentait pas non plus, que je connais pas assez cette marque-là, puis à cause de ce jeu de mots-là, ça ne je le traçais pas. Mais là, c'est du Samsung, c'est mieux. Je l'ai pas payé très cher. J'ai juste payé le restant qui reste à payer. Puis que avec taxe, c'est 301$. Mais moins 150, c'est à peu près ce que j'ai payé. 300 ou 200? Je pense que non, c'est 201$. J'ai payé une cinquantaine de dollars dans le fond. Pour cet écran-là. Puis j'avais pas beaucoup d'argent. Juste pour vous le dire. Puis c'est avant que je faisais, j'avais pas beaucoup d'argent, puis il fallait que je fasse attention à mes dépenses, puis j'ai acheté ça quand même. J'ai pas été avec la qualité, j'ai été avec le moins cher possible, tout simplement. Puis c'est pour ça que je fais fenêtré, accepté, c'est soit fenêtré ou plein écran. Ni No Kuni, c'est l'option fenêtré et fenêtré avec sans bordure. Chose que Safety n'a pas comme option, qui serait très bien. Qui met comme option fenêtré sans bordure. Comme ça, ça pourrait. Alors, plein écran. Ça paraît plein écran, mais il n'est pas plein écran. Parce que je pense que oui, j'avais essayé de mettre plein écran, puis OBS n'a pas voulu. Il n'a pas voulu, c'était noir. Quand je l'ai mis fenêtré, là, ça fonctionnait. Qu'est-ce que vous voulez, elle fonctionne quand qu'elle veut. Même avec cet ordinateur là, je me fais la mise à jour, ça fonctionnait, mais là ça fonctionne plus. Il n'y a rien qui fonctionne, je suis même plus capable de rien faire. L'enregistrement. Ça c'est septembre, hein? Fin août, septembre là. Fuck. Pour le meilleur moment de l'été, là, je pense j'ai été un peu mal pris avec ça. Et allons avec la question, juste de même. Je me demandais avec quel logiciel tu enregistrais, puis avec quel logiciel tu fais ton montage. Aussi, ça serait bien que tu fasses une vidéo où tu nous montres comment tu fais ton montage. Puis juste pour savoir, t'as quel âge, t'habites où, puis c'est quoi que tu fais dans la vie pour subvenir à tes besoins. Ça c'est la question complète, je vais lui répondre par partie parce que c'est plusieurs questions en un. Juste de même, je me demandais à quelle échelle que tu enregistres. J'enregistre avec mon cellulaire, qui est une Samsung Galaxy S5 Neo. Sinon, côté logiciel, j'enregistre avec OBS ou Camtasia 9. C'est pas mal ça que j'utilise. Pour mon montage, j'utilise MovieMaker de temps en temps. Sinon, Camtasia 9 qui est un logiciel de montage, qui est l'option plein écran. Heureusement, je suis bien content d'avoir ça. Puis, sinon, j'utilise Premiere Pro. Chercher l'Adobe. Sinon, aussi, ça serait bien que tu fasses une vidéo où tu nous montrerais comment tu fais ton montage. Ça dépend de vous, si vous voulez vraiment que j'en fasse un, parce que moi, honnêtement, que je peux juste vous le dire, qu'est-ce que je fais juste couper, c'est tout. Je fais juste des coupeurs dans le fond, hein, pour mon montage. Mettre une introduction, la fin, puis la fin, changer la musique. Des fois, l'introduction suit, je coupe le son. L'introduction originale, puis je mets un autre audio. C'est pas mal ce que je fais. Après ça, puis juste pour savoir, t'es quel âge? Ça me tente pas de le dire, honnêtement. Peut-être un jour, je vais le dire. J'avais dit, si, 500... avant le mois de septembre, il y aurait 500 abonnés. Il aurait peut-être dit, mais là... ça me tente pas de le dire, honnêtement.
Je voulais deviner mon nom, si vous voulez, mais... Je suis majeur, ça je peux vous dire. Ça je peux vous dire, vous le garantir, je suis majeur. T'habites où? Je vous dirais pas dans quel quartier que j'habite. Mais j'habite à Montréal. Je peux juste vous dire ça. Parce qu'on s'entend que Montréal c'est gros. T'habites où puis c'est quoi? Bah, c'est quoi tu fais dans la vie pour subvenir à vos besoins? Je vous ai parlé en début de vidéo que j'ai eu un manque de temps. Ah, le manque de temps c'est dû du travail. Je travaille présentement chez Metro, je ne vous dis pas lequel Metro. Je travaille chez Metro comme emballeur. Et c'est ça qui fait en sorte que je peux me subvenir à mes besoins présentement, que je travaille depuis fin août. Avant le fin août, je vous disais que quand je vous ai dit qu'avec l'écran, là, c'était strict minimum parce que j'ai réussi à trouver un emploi chez Metro. Bon, quasiment engagé tout de suite. Pourquoi pas avoir y pensé plus tôt, par contre, j'avoue, mais... Parce que je suis en train de... Je recherche plus pour l'instant, mais si exemple, vous connaissez du monde qui sont prêts à m'engager en informatique, je suis prêt. Par contre, ça, je vous l'annonce tout de suite, ça ne tente pas vraiment, tentez pas de vous l'annoncer tout de suite, mais je suis en processus d'embauche pour chez Vidéotron, pour c'est un technicien installation de service à Montréal. Je suis en processus d'embauche pour ceci. Je suis rendu à la deuxième étape sur 4 étapes. Si vous voulez savoir plus de détails, allez sur le site de Vidéotron. Vous allez tout savoir les détails du processus d'embauche. Et non, ça ne tente pas d'aller chez Bell. Parce que la compagnie Bell, je l'aime pas. J'aime beaucoup mieux Vidéotron. Désolé qu'il n'y ait pas d'image ou quoi que ce soit, j'ai oublié de vous mentionner une question. Juste pour vous dire, la personne qui m'a demandé plusieurs questions en un, ce n'est pas Rino. J'ai oublié de le mentionner. Puis, une question que je ne suis pas capable de répondre, c'est, je vous dis, Julien Turmel. C'est quoi tes trucs pour toujours garder l'attention des gens lors de tes vidéos? C'est une méchante bonne question. Ça, je peux absolument le dire, mais je n'ai pas de réponse à ces questions, malheureusement. Pas parce que je ne veux pas, parce que je ne sais pas moi-même comment je fais pour vous garder votre attention. Je ne sais pas, c'est peut-être ma façon de parler, je ne sais pas, au pire, si vous savez comment que je fais pour garder votre attention, vous pouvez toujours me le dire en commentaire. Parce que moi-même, j'avoue, là, je ne sais pas comment que je fais. Je fais ça de même, naturellement, mais comment que je fais en sorte pour garder votre attention? Je ne le sais pas. Si vous avez répondu à la question, vous pouvez toujours me le dire en commentaire. J'avais oublié ces petits détails alors que j'étais en train de faire le montage. Puis, oups, j'ai oublié la dernière question que je reviendrai. Et c'est ça que je fais, je reviens sur cette question. Mais ça va être tout pour aujourd'hui. Ça va être tout pour ces 4 ans de la chaîne. Sachez que dans ce qui était prévu, il y avait Zelda que je veux le faire. La vidéo est déjà prête, faut juste que je fasse un montage. Il y a d'autres vidéos que je fasse. Je vais essayer d'en faire à rattraper mon retard. Comme que je vous ai dit, le métro, vraiment, ça m'a pris. C'est un peu à cause de ça que j'ai un manque de temps. J'ai l'impression que vous allez me dire, mais ça t'arrête. Pendant que tu travailles pas, tu peux faire autre chose. Mais il y a eu d'autres problèmes aussi, d'autres affaires côté personnel, par contre. Puis, exemple, je vais le faire même hier, le montage, mais hier j'étais tellement fatigué, ça me tentait de faire autre chose. Je sais même pas, j'étais pas chez moi hier. Puis je lui ai dit, je pensais aussi de le faire, mais finalement, là, ça, j'ai travaillé de 9h30 à 10h15, puis le lendemain, je travaillais de 7h30 à 4h30. Disons, c'était j'étais fatigué, puis ça ne tentait pas faire grand chose pour ça. Ah, pour ça,
Et maintenant, faut... ça va venir, je vous le dis. N'hésitez pas à rejoindre mon page sur le navire de l'Est. Vous pouvez toujours me suivre sur Facebook, Twitter ou encore aller visiter mon site internet dans le lien. Et sur la bannière de ma chaîne YouTube, vous pouvez toujours aussi aller sur mon serveur Discord, dont tout le monde est bienvenu. Alors pour ça, je vous dis bonne journée, bonsoir, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci, ça va être sûrement sur Zelda Breath of the Wild. Puis je suis encore désolé qu'il n'y ait pas eu d'autres vidéos depuis la dernière vidéo. Les meilleurs moments du mois de septembre qui n'ont pas été un grand succès, mais sachez que j'essaie de le mettre aux deux. Je vais vous dire le principe des meilleurs moments que j'ai établi. C'est aux deux mois, sauf dans ce cas-ci, c'est toujours un mois. Je vais commencer février, mars ensemble, avril, mai ensemble, juin. Seul ou un d'entre eux tout seul, peu importe, le juillet août ensemble, septembre tout seul, octobre novembre ensemble, parce que non, ça va être le 31 octobre, oui, il va y avoir une vidéo, ça va être une vidéo un essai de jeu d'un jeu que j'ai acheté puis qui était supposé d'avoir en doux, mais que vu que je travaillais pas, je me suis dit je vais pas l'acheter tout de suite, hein, sinon je suis fait peut-être. Mais là, je suis un peu mieux financièrement. Est-ce que je vais investir, ça c'est sûr, sur la chaîne, mais pas tout de suite, je vous le garantis. J'ai une autre priorité avant d'investir sur la chaîne. Malheureusement, ça va être comme ça. Je vous dirai pas c'est quoi la priorité, mais c'est ça. Mais la priorité, je vais vous le dire à un moment donné, mais pas tout de suite, je vais faire une vidéo des épaules. Après ça, octobre, novembre, décembre, janvier. C'est ça le rythme. Pourquoi octobre, novembre? Parce que octobre, l'Halloween, je peux avoir une vidéo dédiée pour l'Halloween en tant que telle. Qui n'est pas une vidéo d'Halloween pantoute. Je vous le dis tout de suite, c'est pas une vidéo Halloween. C'est un jeu VR. Qui date de 2017, je me suis informé, c'est 2017. Ni no Kuni, ça date de cette année, mois de mars, même temps que Safety. Je suis resté surpris, moi je pensais que ça datait de un an ou deux, ben non, cette année, Ni no Kuni. Je me suis avoir. Puis janvier, février, pourquoi? C'est tout simplement pour coder. On peut pas mettre le 31 décembre là, quand même, c'est le jour de l'an. Pour ceux que je décale, je fais ça ainsi. Pour ça, septembre, c'est pas été le meilleur. Mais j'ai réussi quand même à mettre du contenu un peu plus. Et moi j'essaie de mettre 7 minutes, sinon c'est un autre mois, mais vu que c'est déjà prédéterminé tout ça, c'est. Même s'il va durer 4 minutes, il va durer 4 minutes. Alors pour ça, je vous dis meilleure place.